Peut-être que tu t'intéresses à la vidéo, au cinéma, en tout cas à l'audiovisuel. Peut-être que tu as envie de travailler dans ce domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui t'attire. Mais si tu veux prendre en puissance, eh ben, tu vas devoir absolument maîtriser les bases techniques. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça tombe bien. Pour atteindre tes objectifs en audiovisuel, en cinéma, en vidéo, bah, ça va être important de maîtriser les bases techniques. Donc, pas besoin de devenir un expert, évidemment, mais c'est quand même très, très important de maîtriser et comprendre toutes les bases. Et ces bases, je les ai divisées en... sept domaines, et tu vas voir qu'elles sont interdépendantes entre elles, et je vais te les présenter tout de suite. Alors juste avant de te les présenter, j'aimerais un petit peu dédramatiser la technique. Voilà, tu sais, moi, si tu regardes mes vidéos, que pour moi, s'y connaître en technique, c'est indispensable si on veut évoluer dans l'univers du cinéma, de la vidéo ou de l'audiovisuel. Et il y en a beaucoup qui s'en font une montagne, mais en fait, c'est simple la technique, vraiment. Une fois que tu as bien compris les bases, et bah c'est bon, t'es tranquille. Et en plus, ces bases, elles sont pas aussi compliquées que tu le penses, vraiment, et tout est interdépendant. Donc, ouais, une fois que tu as compris que tel truc c'était ça, tu vas te dire « Ah ouais, mais en fait ça, ça a un lien avec ça. » Donc vraiment, t'en fais pas une montagne et tu vas voir, ça peut aller très 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 vite. Première base, l'optique. Alors l'optique, c'est même la base de l'image, parce que c'est par là que va rentrer la lumière dans ta caméra. C'est un petit peu l'œil de ta caméra, l'optique, et ça va influencer sur pas mal de choses. Donc ça va influencer sur ta profondeur de champ, ton cadre aussi, hein, en fonction de ton choix de ta focale, ton piqué et aussi ton exposition avec le diaph. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des optiques parce que j'ai fait une série qui est pour moi assez, assez poussée de 5 épisodes sur les optiques, donc je t'invite vraiment à la regarder. Et là-dessus, sur cette série, bah, je présente un petit peu toutes les particularités de l'optique. Donc vraiment, voilà. L'optique, c'est une fois que tu as compris un peu comment ça marchait une optique, tu as compris une des sept bases de la technique de l'audiovisuel. Donc je t'invite à regarder cette vidéo et à aussi télécharger le petit guide. À la fin de chaque vidéo, je propose un petit guide écrit qui est peut-être un petit peu plus simple à comprendre. La deuxième base à bien comprendre, c'est la notion de profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, c'est quoi? Très vulgairement, on pourrait dire, c'est le flou dans ton image. Plus il y a de flou, plus la profondeur de champ est faible. Plus moins il y a de flou, plus la profondeur de champ est grande. Là, par exemple, j'ai pas mal de flou derrière moi, donc j'ai une faible profondeur de champ. Sachant que le flou, c'est derrière, mais c'est aussi devant. Là, si je mets mon doigt là, normalement, il est assez flou. La profondeur de champ, c'est influencé par trois choses. Par l'ouverture de ton optique, par le choix de ta focale, ou plutôt de ta distance focale. Donc pareil, hein, ces deux trucs, je te renvoie aux épisodes sur les optiques. Et tu vois, c'est lié, hein, profondeur de champ est lié avec la base de l'optique. Donc tout est entre guillemets interdépendant dans ces bases. Et la troisième chose, c'est la distance par rapport au sujet. Donc pas de panique, je te ferai un épisode assez récap sur la profondeur de champ. Troisième base, le son. Alors certains disent que ça fait 80% d'un film, d'autres 50%, je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose d'important. Alors c'est vrai que c'est le domaine que je connais le moins. Après, je connais les bases et je te ferai une vidéo sur ces bases. Bien évidemment, je la ferai checker par un ami sondier à moi avant. Quatrième base, la lumière. Alors la lumière, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Le premier niveau d'apprentissage, c'est comprendre un peu comment fonctionne la lumière. Là, je te conseille de regarder l'émission que j'ai faite qui s'appelle « Le pire ennemi du vidéaste ». La deuxième phase, c'est savoir faire une belle lumière propre. Là, par exemple, la lumière que tu vois, elle est correctement exposée. Donc voilà, j'ai une belle lumière, mon visage est correctement exposé, j'ai pas vraiment d'ombre, donc il n'y a pas vraiment de faute de lumière. En revanche, c'est une lumière assez neutre. C'est une belle lumière, mais une lumière neutre. Et justement, c'est la troisième phase, le troisième niveau que moi, j'ai pas encore atteint, et c'est plutôt le niveau des, voilà, des électros et des chefs-op. C'est comment sculpter cette lumière, comment sculpter la lumière pour lui donner une ambiance. Et là aussi, pas de panique, j'ai prévu des épisodes et aussi des choses pour aller plus loin, parce que c'est un sujet que je trouve passionnant. Cinquième domaine, ce domaine, je l'ai appelé vidéo numérique. Alors, si je te dis codec ou conteneur, Apple ProRes ou DNxHD, 422 bits ou 150 mégabits par seconde, c'est potentiellement, de tous les domaines, le plus complexe. D'ailleurs, il aurait pu être subdivisé. C'est vraiment comprendre un petit peu comment marche la vidéo numérique et qu'est-ce qui influence quoi. Alors, je vais faire des vidéos là-dessus, mais en fait, la vraie difficulté, c'est vraiment de bien comprendre ce que c'est et pas faire des quiproquos entre les termes. Donc là aussi, je vais vraiment faire une série de vidéos, hein, carrément, pour bien comprendre un petit peu tous ces termes liés à la vidéo numérique, pour pas que ça soit trop flou pour toi. Sixième domaine, l'exposition.
Alors l'exposition, c'est un des trucs les plus simples à comprendre, donc je vais t'expliquer maintenant, et je referai de toute façon une vidéo dessus. Mais en gros, l'exposition, il y a 4 choses qui influencent ton exposition, et 3 que tu peux vraiment régler. Alors, la première chose qui influence ton exposition, mais que tu ne peux pas vraiment régler, c'est la taille de ton capteur. Alors, en théorie, tu peux le régler, parce que par exemple, il y a certains appareils photo qui ont des grands capteurs full frame, et tu peux passer en APS-C, hein, je crois que c'est le cas de la 7S2 et sûrement de la 7S3. Mais bref, retiens que plus le capteur est grand, plus il y aura de lumière. Ensuite, on va passer aux 3 choses qu'on appelle le triangle de l'exposition. Alors, le triangle de l'exposition, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'ouverture, hein, cette fameuse ouverture, on en a déjà parlé, cette fameuse ouverture qui influe sur la profondeur de champ et donc qui fait partie du pilier objectif. Donc ça, c'est tu l'ouvres et plus j'ai un épisode assez complet là-dessus, donc n'hésite pas à le regarder. La deuxième chose, c'est les ISO. Alors les ISO, c'est la sensibilité de ton capteur ou de ta pellicule si tu tournes en pellicule. Sauf que quand tu tournes en pellicule, bah tu pouvais pas le régler, quoi. Tu pouvais acheter une pellicule à tant de sensibilité. Je crois que c'était les ASA, mais ton capteur, là, pour le coup, tu peux la régler, ta sensibilité. Plus tu la pousses haut, plus tu auras de bruit, et moins tu la pousses haut, pour schématiser, moins tu auras de bruit. Donc, en gros, ces ISO, tu les touches, tu essaies de mettre le plus bas possible. C'est un poil plus complexe que ça, mais à la limite, je le développerai dans un autre épisode. Et le dernier truc, c'est la vitesse d'obturation. Alors, la vitesse d'obturation, normalement, tu n'es pas censé le changer. Là, par exemple, je tourne en 25 images secondes, j'ai une vitesse d'obturation de 1/50e et on voit qu'il y a un petit flou de bouger. Ce flou de bouger, en fait, on a été inconsciemment habitué à le voir et du coup, on garde ce flou de bouger parce que pour nous, une image vidéo, une image cinéma, il y a un flou de bouger. Donc l'idée, ce flou de bouger, c'est que tu le fais x2 par rapport à ton FPS. Donc là, je tourne en 25, je l'ai mis à 1/50e. Si je tournais en 50 images par seconde pour faire des ralentis, bah je me serais mis à 1/100e. Plus il est haut, donc 1/1000e par exemple, moins tu auras d'exposition, moins tu auras de lumière, et plus il est bas, donc 1/25e par exemple, il ne faut pas le mettre à 1/25e, il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter ça, plus il y aura de lumière. Mais comme je t'ai dit, garde-le à 1/50e si tu es en 25 images par seconde et fais x2 en fonction de ton taux de FPS. FPS, c'est images par seconde. 25 en vidéo en Europe, 24 au cinéma et 30 en vidéo aux États-Unis. De toute façon, on reviendra sur ce fameux triangle de l'exposition qui vient de la photographie à la base. Et 7e et dernier grande base de technique, c'est la caméra. Alors la caméra, tu vas voir qu'au final, je l'ai mis en dernier parce que ça regroupe un petit peu toutes les autres bases. La caméra, chaque constructeur a son menu. En plus, en fonction de la gamme, ça va changer. Mais globalement, on peut faire les mêmes choses dans n'importe quelle caméra. Après, évidemment, toutes les caméras d'une même gamme pourront à peu près faire les mêmes choses, mais la gamme en dessous, peut-être qu'elles feront moins de choses. Mais chaque constructeur a son type de menu, mais tu peux faire à peu près la même chose. Donc l'idée, ça va être de comprendre un petit peu comment fonctionne et comment régler une caméra pour que si demain on te donne une caméra que tu n'as jamais eue, tu puisses un petit peu la régler. Là aussi, je prépare des épisodes où on va un petit peu farfouiller les caméras pour essayer de comprendre les menus. Voilà, 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 tu connais en tout cas l'intitulé des 7 grandes bases de la vidéo. C'est vraiment pas si compliqué que ça, vraiment, vraiment. Et puis, en plus, je vais te faire plein d'épisodes là-dessus pour t'aider. Donc voilà, n'aie pas peur de ça. Et j'espère que tu vas vraiment te passionner de ça comme je me suis passionné de ça. Et vraiment, la technique, quand tu t'y mets, mais c'est un côté assez jouissif et assez passionnant. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que j'ai pu un petit peu te partager mon côté un petit peu geek de la technique et que bah, tu regarderas les autres épisodes que je partagerai là-dessus. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner pour les avoir. N'hésite pas à liker la vidéo aussi parce que ça va montrer que voilà, le public veut de la technique. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, like. Si c'est un sujet qui t'intéresse pas, tu peux aussi liker pour me faire plaisir. J'aime bien. Et n'hésite pas à me lâcher des commentaires pour me demander ce que tu veux ou me poser à la limite des questions, même si, voilà. Je suis un passionné de la technique, je m'y connais bien. Après, je ne suis pas expert dans tous ces domaines de la technique. Alors, tu peux aussi, comme à la fin de chaque vidéo, j'essaye de faire télécharger un petit PDF, tu peux là télécharger le guide de contrôle de la lumière. C'est un pote chef op à moi qui a fait un petit guide de 1000 mots qui te présente les différents outils pour contrôler la lumière. Alors, tu as différents outils qui permettent soit de la bloquer, soit de la refléter, soit de la diffuser. Voilà, bah écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup. À bientôt.